Elliot, qu'est-ce qu'il veut, le pauvre? J'ai pitié pour lui, mais arrête! Parlez dans votre coin. On est... Voilà, je dirai ça après. Merci. J'arrive toujours pas à croire que t'as été renvoyé. Si t'as besoin de parler à quelqu'un, dis-le-moi. Si tu veux avouer tes pires secrets. Ça me dérange pas plus que ça, mec. Ah ah! Je suis là pour toi, sérieux. Cool, merci. Mais séparez-vous! Dis-lui, Chloé, bordel! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Wow. Ah, c'est le chien, d'accord. Là, je croyais que c'était un gros tas de coke. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pour le chien. Because Frank finally gave up on the steak. Ah, finalement, il donne des croquettes. Mais il donnera des steaks quand il sera plus grand. Un couteau. A swingy, flippy instrument of death. Ouais. Une chaise longue. Pourquoi faire? Non! Non! Frank finally gave non! Up on the steak. Je ne voulais pas regarder le caca du chien. Enfin, c'est pas le caca, mais... Sa manière dégueulasse de manger. Oh, il est... Manette. Frank. Ah d'accord, c'est devant sa télé et sa console. D'accord. Frank and his BFF. C'est pas l'autre singe rose qu'on a vu, ça. Adorable. Mais c'est Damon? Putain, ça m'inquiète. That's probably the notebook Frank wants. D'accord, d'accord. Où m'emmène Frank? Qu'est-ce qui se passe? Qui était cette nana? Quoique, comment, qu'est-ce qui se passe? Is tellement this what I think it is? Ah, shit. Ouais, c'est les dettes. Stella, Jackson, Alice, Anna, Drew. Drew, il lui doit 1000 euros? Wouah! Ah ouais, quand même. Et donc nous, on lui doit 175. Time to find out what Frank wants to discuss. Shit, bon tant pis. Bonjour Frank, que veux-tu? Pourquoi cette invitation des plus étranges? Have a seat. Merci. Pompidou, huh? That's one badass. Mais elles sont rappelées dans le 1, Pompidou, je suis même pas It's sûr. French. Oh, il a une peluche banane! C'est pas un caniche, ça veut dire quoi? Vas-y, explique-moi ce que veut dire quoi, Pompidou. Does it mean like tough guy or something? Do I look like I speak fucking French? Ouais, t'as aucune idée de ce que veut dire Pompidou, c'est-à-dire rien. À part, okay. Si, attendez, Pompidou. So, who C'est is pas that un type? Woman? What woman? The one I saw coming out of your RV. Ah, oh, oui. Yeah, I meant Enquête. To introduce you. Qui est-ce? Her name is Mind Your Own Fucking Business. Très bien, je le retiendrai. Exigez une réponse. Paf. Rachel would want to know more. Et en plus, Rachel voudrait en savoir. I bet I can convince Frank it's harmless to tell me. C'est parti. J'aime pas ce I'm gameplay. Just curious. What's the big deal? Idiot. I make money by being discreet. Money. Aucun crédit. No shit, Frank. You think I don't know about hiding things from other people? I'm a teenager. Come on, Price. I gotta protect my clients. Happy customers are the foundation of a good business. Ah, j'ai bien fait de lire sur Rêve de nuage, je vais pouvoir utiliser contre lui. Hey, so I had this dream the other night about a cloud that swallowed Arcadia Bay. You too. See? We're a lot alike. C'est le pire argument shit in au monde. Sure, I guess. So why are you so hung up on this chick? Il a dit ouais, hook pendu dans lui. Come on, Frank. Pas This is Arcadia Bay. C'est gagné. Gossip is all we have to keep us from hanging ourselves out of boredom. I don't know. Frank, allô? Frank. Talk, and I'll get my mom to make you something special. Like what? How about that firehouse chili of hers? You got it. Va falloir que j'explique à Joyce. The woman you saw. Her name's Sarah. Sarah. Showed up a few weeks ago. Ah ouais. Causing all kinds of trouble for all sorts of people. Quoi? Like who? It's a little out of your league, okay? But what kind Attends, of elle trouble? Débarque, elle pose exactly. des problèmes. Forget about it, Chloe. You shouldn't have opened my mouth. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Thanks for ouais.
telling me. Merci malgré tout, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? You hear the mill burn down? Yeah. Uh-oh. I heard some stuff about it. Crazy. My friend Damon runs the place. He lost a lot of money last night. Et toi, car je m'inquiète pour toi, Franck, on est amis, Franck. How about you? Did you lose anything in the fire? No. But I'll probably get pulled into whatever shit Damon's dealing with right now. Lately, he's been doing some stuff that I don't like. But I don't seem to have much leverage with him like I once had. Anyway, you and I have shit to discuss. Is this about the Buck 75? What? The money that I owe you? Oh, yeah. Yeah, no, I don't give a shit about that. Cool alors. You have it? Merde, non. Va embêter quelqu'un de friqué. Non, je te le rendrai plus tard. Give me like another week. Je saurai jamais. I don't have enough right now. I wonder if I'll ever get tired of your crap. Il prend ça de manière assez passive. You're lucky to release my problems. Open my notebook. Last page. Should be some entries for a kid named Drew. You know. Ouais, il lui doit 1000 balles. Drew North? Oh non, non, je veux pas être embringadé là-dessus. Holy shit. That's a lot of money. Bah, t'avais pas lu, Chloé? Oxy for Damon. Apparently, football players eat it like candy. De l'oxy, oh, le dealer. Yes. It pays well. Go Bigfoots. Problem is, Drew owes a grant, and he's not answering my calls. You know what's going on with them? C'est un connard, on se parle pas. Non, mais je veux pas dire que c'est un connard. Je... Non. No. Je l'ai vu une I fois. Never talked to him. Or his type. No one's just a type, Price. Anyway, here's the job. I'm taking you to Blackwell. Go to Drew's room, j'ai été viré. Find the money, and I'll meet you to pick non, mais je vais pas rentrer dans sa chambre et violer son fric. Can you handle that? Ça le fait moyen. I don't know. It doesn't feel right. Surtout si je le croise en fait, c'est problématique. Right that he stole a grant from me? From you or from Damon? Same difference. Ouais, well, mais... it's not my problem. Idiot, you still owe me. C'est vrai. So, if I do this, then we're good? That, and I'll do even better. I'll give you a 10% cut of the money. Okay. T'es en train de me demander de voler un yeah. mec et de prendre 10% sure. là-dessus? Putain. I'll do it. Mais non, mais c'est de la merde. What's the matter? It might be a little tough. I'm not supposed to be at Blackwell. I got expelled this morning. Congratulations. Merci, je crois. Still easier for you to go on campus than for me. If you can't even do this, Price. $100 closer to leaving Arcadia Bay with a bit of cash. And the truck fixed. Rachel oh, and I putain, could ouais. really oh, do it. Ha, ha. We could leave for good. I'll do it. Good deal. Ah voilà, BRKBD, c'est Breaking Bad, parce qu'évidemment, il a un putain de truck de dealer de drogue. Quand je parlais des références des plaques. Merde. C'est la pire idée du monde. Je me retrouve embrigandé dans un... Eh, on revient au dortoir. Le dortoir du 1. Putain, on visite que des lieux du 1 depuis le début. Cet épisode. C'est con parce que le parc du premier épisode de Before the Storm était... Bienvenue. Il me dépose, c'est vraiment... C'est la mission GTA, quoi. Ah, quelle délicieuse personne nous allons croiser. Well, here goes nothing. En plus, le bâtiment des... Alors, le bâtiment des garçons, on le connaît pas super bien. Qu'est-ce que c'est le Rachel? J'aime pas quand ils écrivent comme ça, je sais bien que ça fait réaliste, mais... bon, alors, blablabla. Ok, je suis de retour à l'école, encore.
Ils ont monté des tentes pour servir de cabine d'habillage. Tu fais quoi, toi? Je suis là aussi, j'ai un petit boulot à faire pour mon dealer. C'est vrai, quelle rebelle! Tu vas me voir quand tu as fini, ok. P, j'ai vu la femme qui était dans ton... avec ton père sortir du camping-car de mon dealer. Quoi? Apparemment, elle cause pas mal de soucis à pas mal de gens, elle... ou quelque chose comme ça. Elle s'appelle Sarah. Rachel? Je crois que tu aurais peut-être pas connaître son nom. Oups, pardon. Non, c'est bon. À bientôt. Better hurry up and get into the dorms. Bizarre, cette Sarah. I should come hang around here during finals. Mais tu vois, Blackwell, ne sautez pas le repas le plus important de la journée. Le petit déjeuner. What would I buy if I had enough money to build a whole dorm? Si j'avais assez d'argent pour construire un dortoir, est-ce que... Probably not a dorm. Not concrete. Non, wet concrete. Il ne m'en fallait pas plus pour faire régner le chaos. Ôter toute espérance, pris dans la tempête. Allez, c'est bon, on a compris les références. They're just too high risk. En vrai, c'est pas cool pour le mec qui bosse, parce que c'est clairement pas le directeur qui... I always knew that one day Miss Price would leave an indelible mark upon this school. C'est pas cool pour le mec qui a bossé, mais le chaos. Poster totem de Blackwell. Max would have jumped on that photographer position. Venez écrire pour le plus vieux et le seul journal étudiant de Blackwell. Postulez dès maintenant pour les postes suivants pour voir de rentrée 2010. Éditeur sportif, éditeur graphique, journaliste, photographe. Gna 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 gna, des références à Max. Référence à Max, puisque évidemment Max. Oh, vous. Steph. Just. Qui aimerait organiser un groupe de discussion œcuménique? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord, c'est un groupe de discussion entre différentes croyances. Ouvert à tous et à toutes. On dirait que quelqu'un se fait jeter du Vortex Club. A rajouter quelqu'un. C'est les bons à prendre et les uns et les autres, nous sommes la meilleure ressource de Blackwell. Kate Marsh. C'est bon, je t'ai reconnu. C'est Kate qui a déposé ce genre de truc. Est-ce qu'on parle à Steph dès maintenant? On peut s'asseoir sur le banc et penser à la vie. Faisons ça. Un endroit où se sera passé beaucoup de choses aussi dans le planète Israël. Surtout sur le toit. I don't belong here anymore. It's not my school. I don't have a school. But nothing feels different. Everything still feels shitty. And here I am, about to break into the freaking dorm so I can steal money that Drew owes my drug dealer. T'es tombé un peu bien bas, quand même. This is gonna go great. Sarcasme évident. C'est la spirale. Fais chier, Chloé. Tu vaux mieux que ça, Chloé. Salut, Steph. Now that I'm gone, Steph might be the coolest person left at Blackwell. Besides Rachel, obviously. Comment ça va, Steph? Bonsoir. Hey, Steph. Whoa. Hey, Calamastia. Surprised ah, oui. to see me on parole. I told you Wells was out to get you. That text was a rare courtesy, by the way. Oh. I don't normally get involved in other people's dumb decisions. De Konami? Merci. Thanks for trying, but skipping yesterday Est-ce was qu'on serait pas en train de développer une autre amitié en skipping ce moment? Skipping with Rachel Amber does have an appeal. Well, yeah. So, what are you doing here? C'est pas toi qui est émotionnellement intéressé par Rachel, d'ailleurs. Je rends service à quelqu'un, je vais voir la tempête. C'est mon ami, Steph. I'm just picking up something from... somebody. Ça a pas l'air louche, hein? It's for a friend. Now I'm really curious. Shit. Putain, j'aurais dû m'en douter qu'elle était curieuse. What's all this... stuff?
I'm prepping for the Tempest show tonight. I'm the stage manager. Ah oui, c'est vrai. Oh, right. I think I knew that. Non, tu l'as lu. The show's really good. It's worth seeing. Je le regarderai sure peut-être. Obviously, Rachel's fantastic, but everyone else is pretty impressive too. Ton collier n'a pas de physique. You get to see a totally different side of everyone, especially the guys. Ok, à mon tour d'être intrigué, changeons de sujet pour pas que j'aie à parler du vol que je vais commettre. I'm intrigued. Go on. Like, Hayden's so annoying, but when he puts on that crown, he's actually very princely. And Nathan is Caliban, there's so much depth there. Right. Depth. Yeah, well, good luck with all of that. Maybe I'll see you later. Oh, hey. I wanted to ask you something. Shoot. Oui. I've been planning to make a move on Rachel, but not if you two were together. Make a move? So, are you? I mean, that's Rachel's business. Or maybe yours and Rachel's business. But if you feel comfortable telling me... tu crois qu'on est ensemble? Je sais pas trop, elle est libre. Ah! Shit! Je... Quoi? Non, je... Bah, en vrai, jusqu'ici, ça ressemblait à de l'amitié, ou je sais pas. En fait, le problème, c'est que vis-à-vis de Chloé, c'est un peu moi qui fais le choix. Et moi, j'ai envie, limite, de faire le choix de pas faire la romance juste pour voir comment le jeu va se rattraper pour essayer de se ramener vers le 1. Autant du côté de Rachel, on sait pas. Mais c'est pareil dans le premier jeu. Dans le premier jeu, de ce que je me souviens, Chloé, elle était à fond sur Rachel. Mais genre à fond, genre vraiment amoureuse, quoi. Mais Rachel, on sait pas si c'était réciproque. Non, en plus, il y avait une affaire avec Franck. Je suis désolé, Steph. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Confusing. Yeah, I can imagine. You ever want to talk to me, Chloe? You know you can, right? I'll see you later, Steph. Have fun storming the castle. Merci, Steph. Elle est sympa, Steph. Mais du coup, ouais, avec Rachel, j'ai pas l'impression d'avoir fait des trucs qui sont particuliers. Mais il y a un début. Obviously. Il y a un début de relation, mais est-ce que Rachel est vraiment... Samuel. Oh, Samuel. Oui. Coucou. Salut, Samuel. Samuel. Blackwell's resident. Un écureuil sculpté, Samuel. Tu es un génie. Nice work, Samuel. Mais il y a un truc justement, oui, que je pensais, il y a un problème, c'est que... Such a nice white door. Though, it feels like it's missing something. Ouais, je pourrais la taguer, mais il y a Samuel à côté. D'accord, j'ai compris l'énigme, c'est bon. Il y a un truc, par exemple, qui me perturbe. Je sais plus ce que c'était. Samuel. Si, non, qu'est-ce que je voulais dire? Mais il y avait un truc qui me... Oui, si, comme à la fin du premier épisode, on a vu que quelqu'un, c'est genre le teaser de l'épisode, c'était quelqu'un qui tambourine à la porte de Chloé ou je sais pas quoi, et qui lui disait « Personne me vole mon argent, machin !» Et je m'étais dit, c'est soit Frank, soit Damon, enfin l'espèce de cinglose de la boîte de nuit, soit peut-être David, mais ça m'étonnerait, et en fait, c'est Drew. C'est-à-dire, ça va mal tourner et Drew va me capter, non? That's some intellectual shit, qu'est-ce qu'il dit ? Théropie du chaos, la farsale Inus Corvusque. Théorie du chaos. Samuel. Samuel, tu serais pas un espèce de mec omniscient qui serait au courant de tout ce qui va se passer dans l'univers de Life is Strange? Keeping busy? Always, Chloe Price. I didn't think you'd be returning to these hallowed halls so soon. Il est tellement génial! Neither did I. I have the feeling it wasn't the books or bricks of Blackwell that led you back. What? Es-tu omniscient? You're here for someone. A special someone, yes. Ce type a l'air d'être omniscient dans ce putain d'univers, c'est incroyable. Allez, disons-lui Rachel. What do you think of Rachel Amber? Ah oui, les fans de Rachel, Rachel aussi. Amber,
is a dragon made of diamonds. J'adore ce type tellement. That's deep. Do you just make this shit up on the fly, or do you like write it down beforehand? Are you angry all the time because you like the way it feels, or is it merely a desperate defense against experiencing true intimacy with others? Lancez-vous dans une carrière de psy, Samuel. Vraiment. Vraiment, lancez-vous dans une carrière de psy, monsieur, monsieur Samuel. What about Elliot Hampton? Il va bien? Have you seen him recently? I only see what Elliot wants me to see. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est super flippant comme réplique. I can see both what people want me to see and what they want to keep hidden. Et qu'est-ce que je veux cacher? And what do I want to keep hidden? That you are lonely and afraid. It's okay not to be okay, Chloe Price. Wouah! Et là, j'ai envie de revenir dans le temps pour voir les autres choix de dialogue, quoi. Putain, mais... Hey, Samuel, il y a vraiment... C'est pas possible. I'm... looking for Drew North. Most look at Drew North and see only the athlete, but he is more than that. Mais comment t'as fait pour ne pas être arrêté par la police, toi? A great heart he has, with much love... Il parle comme Yoda! ...and no room for fear. I've always thought he was kind of a bully. He may be that, too. No one is just one thing. I've gotta go, man. It's been real. I often wonder what real is. Et intense, effectivement. Farewell, Chloe Price. Farewell, Indy. Non, mais... Ce perso est magique, quoi. C'est vraiment... J'ai presque l'impression qu'il a une importance dans le scénario, alors qu'il en avait pas du tout dans le 1. Hein. Mais putain, il est vraiment, il est au-dessus du game, quoi. Ah oh, oui, le totem. Non mais non, mais Chloé Price, hein, les murs invisibles, qui sont très visibles. Réfléchis sur le totem. Pense au totem, Madame Chloé. What are the chances that 200 years ago, some teenager got in trouble for carving faces all over the thing. Ah, Evan. Un oiseau. Bonjour. Petit oiseau. Evan's subject for the day. Ah, il l'attire avec Better des... You than me, tu fais des photos. Ah, tu fais des photos pour le journal de botanique, Evan? Putting his pretentious art above his sanity, as usual. In a way, that's kind of badass. J'aimerais... Oh putain, on voit bien que ça crame là-bas encore. Sympa. Evan, bonjour. T'essaies d'avoir un succès du 1. What are you doing here? Aren't you supposed to be at home thinking over your endless list of questionable decisions? Dude, whoa. Why do you care about my questionable decisions? Evan, quel offense agressif. When intelligence is wasted. Did Evan just call me intelligent? Ouais, on est bien d'accord. Damn straight. Wow. Evan looks really ridiculous. Se moquer ou ne rien dire. Mais non, mais... Non, mais j'ai envie de faire un let's play. Bon enfant, moi. Je vais pas me moquer. Uh-huh. Il n'a rien fait de mal. I've learned something about myself. M'amène bien, truc gentil. Something that I think you might understand. I've learned that if I'm passionate about something, it's probably the right thing to care about. Forest fires, for example. You should have signed my petition. Je l'ai pas fait. It's not like anyone else did. Did you really expect people to care? People are so eager to pass on responsibility to anyone else so that they can live comfortable, unworried, and ultimately meaningless lives. You see what happened? Ok, tu avais sûrement raison. Looks like you were right. Go, Evan.
You're a hero of the people. I know you feel like I do. About different things, I'm sure. But you only give a shit about what you give a shit about. I like that. Anyway, you're not supposed to be here. You should leave. Très passif-agressif malgré sa sympathie, ce Evan. Evan, ouais, je suis désolé, mais j'ai vu cet arroseur et comment dire... Blackwell Academy. Conserving water since... Alors... Never. Il faut que je fasse bouger Samuel si je veux mon success team. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est hors de portée. Ici, comment faire bouger Samuel? J'imagine qu'il faut démarrer le pipshit. Ce qui amènera Samuel à... Bah attends, le pipshit c'est pas de là qu'on pouvait le démarrer? Parce qu'on avait démarré les arroseurs dans le premier Life is Strange, mais je sais plus où. Il me semble que c'était là. Attends, un indice peut-être en regardant? Samuel. Non. Blackwell's resident creepy groundskeeper. J'ai vu un truc là, non? Au pire, tant pis pour le succès, on va pas perdre de temps là-dessus. Poster de la tempête. Steph's probably biased, but she does have taste. Maybe the show will be good. Un cahier de Steph? Why yes, Chloe, of course you may look through that. Putain, elle a dessiné un corbeau! Steph's really good at creating fantasy worlds. I can see why. Ah, le prof de le prof de théâtre qui dit bon travail Steph, Fanny, votre créativité est brillante. Comme elle est aussi brillante que le soleil de Milan, d'accord. Miranda, Caliban, Ferdinand, Ariel, Prospera, rigolo. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi elle dessine des tempêtes, elle? Stop, hein, stop les références. Ben, je sais pas trop comment activer la flotte ou faire sortir Samuel. Fallait peut-être faire des choix de dialogue un peu différents. Tant pis, c'est juste un success team, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Entrons là-dedans. Locked. Ah. Figures. D'accord. Évidemment. Looks like my options are... Become a master lockpicker or swipe someone's keys. Eh bien, on sait déjà à qui piquer les clés. Bonjour. Bingo. If only those keys were unsupervised. What's Samuel working on? The sprinklers? Ah non, d'accord, elle est là, l'énigme. How do I get Samuel out of there? It looks like he's working on... The sprinklers? D'accord, on va falloir faire chier absolument tout le monde juste pour rentrer. If Samuel's working on the sprinklers, some damage here might get his attention. D'accord. But Evan is right there. Oh là, la vieille énigme. Et donc faut que l'oiseau se barre. Je suis vraiment désolé pour ce qui va se passer, Evan, mais comprends-le, c'est le scénario qui m'y force. Hey! Shit! I wanted you to go the other way. Like, as far as possible, the other way. Mais... Evan va me détester... Attends, mais il y a peut-être un moyen de discuter avec Evan pour lui dire... Evan, faut te barrer. Non, même pas. Putain, mais je suis sur un rail, là. C'est chiant. Je suis sur un rail et j'ai pas l'impression de faire une véritable énigme. Evan va péter un cap. Time for a fresh start. D'accord, mais j'ai compris. Il faut que je vire les graines. Non? Ah bah voilà. Here we go. Mais c'est même pas une énigme, fallait juste appuyer les trucs dans le bon ordre. Casser, mais je le casse devant Evan. So tempting, but Evan will see me for sure. And he sounds like he's in the mood to get me in trouble. Ah d'accord, ouais, non, faut que je pousse. Ah attends, mais faut que je pousse où? Ah attendez, il part pas par rapport à ma position, l'oiseau, ce qui serait logique. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il parte dans cette direction. Mais non, mais il revient. Putain, c'est débile. Here we go.
So tempting, but Evan will see me for sure. Evan va faire ça autre part, tu m'emmerdes. Parce qu'il y a quoi? Il y a là comme truc de graine, mais là ça avait pas l'air... Il y a ça! C'est ça qui m'intéresse! Du coup, j'imagine qu'il faut que je les ferais dans cette direction. Va là-bas, voilà! Pit. Désolé. Hein. Comment ça, backward? Mais c'est pas backward! Où faut que je l'emmène, ce putain de taf? Ok, elle avait... Chloé avait l'air de dire que c'était bien quand il partait dans cette direction. Qu'on va continuer. Ouais. Evan qui ne dit rien, genre il laisse passer quoi. Donc là on lui dit par là-bas. Bouh! Va vivre ta vie d'oiseau! Ah! Ça fera une super photo, n'est-ce pas? Perfect. Et voilà, on est trop copains. You're welcome. En plus, c'est vrai, t'allais juste prendre en photo un arroseur, Evan. C'est... Bon, voilà, c'est bien. C'est réglé, tout le monde est content. Sauf peut-être Samuel qui va faire « Oh non, mes arroseurs !» Oh, je suis vraiment désolé, Samuel. Awesome. Now, I just have to wait for Samuel to turn on the... That works. Excellent. Pauvre Samuel, je lui ai pourri son travail. Et c'est sûrement lui qui s'occupait du béton et je l'ai pourri aussi. Je suis vraiment désolé, Samuel. Mais success team, tu comprends? Et là, en vrai, c'est même pas les success team, c'est l'objectif, quoi. Oh là là, putain, je... J'aime bien Samuel. Ça me fait chier de le faire chier. C'est ça le problème avec Chloé, c'est que... Ça me fait chier de vraiment les faire chier. Dans le 1, on pouvait faire n'importe quoi, foutre la merde et tout. Tuer des gens même et revenir en arrière. Donc c'est pas grave, on s'amusait, on foutait le bordel et on annulait tout. Là, Chloé, être juste chiante, j'aime pas tellement en fait, c'est pas mon délire. Genre là, mon objectif, aller voler de la thune. Écureuil de réconciliation, écureuil qui s'en fout. Ah non, un écureuil amical pour Samuel. Désolé à propos de la salle de bain. Who would have thought sprinklers would be the key to getting inside the door? Ah oui, moi je voulais juste les clés, je voulais pas. Sorry, Samuel. Et je lui vole ses clés à Samuel, mais je lui pourris sa vie à ce type. Alors que je l'aime bien. All right. Time to find Drew's room. Allez, c'est parti. On entre. No time like the present. Ah, quelqu'un arrive, non? Ah, Skip, bonjour. Chloé? Hey, Skip. How's it going? Not that it isn't great to see you and all, but what are you doing here? Fais pas ton job, Skip. Le fais pas, s'il te plaît, pour une fois, ne le fais pas. Ne fais pas ton job. Je viens voir un ami. Relax. I'm just visiting a friend. I can't. I really can't just let you go in. C'est mal dit que je pouvais. Samuel a dit que je pouvais, j'ai ses clés. Look, it's cool. Samuel said it was okay. Did Wells? Merde. Pourquoi j'ai mis ça sur le dos de Samuel? Je suis vraiment en train d'utiliser ce type alors que je l'apprécie. Allez, c'est parti, on entre. I'm going inside, dude. You're just gonna have to let this slide. Est-ce que je suis en train de m'engueuler avec la sécurité? I don't think I can. In fact, I think I have to ask. Mais pourquoi tu fais bien ton boulot maintenant? Business, or else vacate Blackwell property. Putain, fais chier. I hate to do this to Skip, but I've got to get inside. Maybe if I make him really uncomfortable, he'll feel guilty and oh, let me ça pass. Me fait... Voilà, en fait, le but du gameplay de Chloé, c'est d'être une chieuse. C'est What's chiant. My official business? Women's business, Skip. As in, my uterus? I need to use the restroom. Glad you asked. What? No.
Les règles, c'est toujours un bon sujet à adopter. Ton boulot est chelou, voilà. Your job is creepy, then. Which makes you kind of a creeper. It's not like that. Do you know what Wells would do to me if I didn't, you know, patrol? You know Wells doesn't really respect you, right? You're just a rent-a-cop who needs a haircut. Oh, yeah, mais en plus, I thought we were friends. Where is this coming from? Je le prends par ressentiment. I thought we were friends too. Oh, pauvre Skip. When the man comes down on you, you come down on me. Is that it? Look, look, look. I'm really sorry, Chloe. Très mauvais doublage. I'm just so confused right now. You're sorry? You just looked at my tits. Allez, dernier argument. Right at them. Oh shit. En plus, c'est vrai du coup parce que I don't know what to do. Seriously, my uterus is on fire, dude. What? Is that descriptive enough? I don't want to know about En fuego utero, Skip. En fuego utero. C'est gentiment ridicule. I don't know what to say. I'm so sorry. Matthews. Ah, I'm here. Matthew donc, de ton vrai nom. I've gotten reports of an unknown vehicle in the parking lot. Oh, thank God. Oh, I'm on it. I won't tell Wells. Do what you have to do, okay? I won't tell anyone. Merci, Skip. C'était un des dialogues les plus étranges du monde. Ça avance, me dit Frank. Tu l'as trouvé? Je lui répondis. Respire, mec, ça fait même pas 5 minutes. Il renvoya. Ça en fait 20. Ok, je m'en occupe, dit-elle. Bouge-toi du cul, qu'ils me disent. C'est parti, Ise. Putain, j'ai tenté de remettre ça sur le dos de Samuel, genre par réflexe, alors que le pauvre Samuel, il est creepy, bordel. Mais il est tellement cool. Tiens, je laisse les clés là, histoire que ça va avoir des conséquences, non? Tout le monde va rentrer dans ce putain de dortoir. Mais qui rentre dans le dortoir?